Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voulez plus d'informations par rapport au jeu et que vous venez d'arriver sur la chaîne YouTube, je vous conseille d'aller voir dans la description, vous avez plein d'infos sur le site web nova-life.fr ou nova-life.eu. Voilà, les deux fonctionnent, c'est cool, c'est magnifique. Ainsi que on possède un forum, donc forum.nova-life.fr. Le lien est également dans la description si vous voulez savoir. Donc c'est important de se rendre compte de rester actif parce que le forum va subir pas mal de mises à jour. C'est pour ça que le concours numéro 3 va se passer directement dessus pour les actifs, etc. Voilà, c'est important pour nous d'avoir des personnes connectées qui font vivre le forum plus ou moins, si je puis dire. Donc le concours numéro 3 se passera dans concours et événements du forum. Je pense que vous l'aviez compris. Donc je publierai un sujet à l'occasion d'ici très peu de temps. Donc pour ceux qui voient directement la vidéo maintenant, je pense que le sujet est créé, donc vous pouvez aller le checker. Restez ici sur la vidéo si vous voulez savoir, avoir un peu plus d'informations. La pré-alpha, comme je vous ai dit, elle est limitée à 50 personnes de la communauté. Ils sont spécialement là pour tester le jeu, pour voir ce qui ne va pas, pour voir les premiers avis, les premiers retours, les premiers tests. Donc c'est vraiment une pré-alpha et c'est vraiment pour tester le jeu dans de courtes conditions, pour voir si tout se passe bien, si tout marche bien. Si tout se passe bien, c'est tranquille. Si ça marche pas, et bien c'est justement spécialement fait pour ça. C'est que vous aurez à votre disposition des rapports de bugs et problèmes sur... vous avez à votre disposition des rapports de bugs et problèmes, que ce soit sur le Discord, sur le site web, sur n'importe où. Voilà, vous le postez dans bugs et problèmes, il n'y a pas de souci, on répond à votre bug, mais essayez de voir si le bug n'a pas été référencé. Voilà, c'est important pour nous, même si vous n'êtes pas dans la pré-alpha, si vous avez des problèmes, c'est important de vous les signaler. On vous en remerciera. Excusez-moi de... Voilà. Et si vous avez à rapporter un membre, que ce soit un membre de l'équipe ou un membre, un joueur, voilà, vous avez une mauvaise entente avec un joueur, sur YouTube par contre ça va être très compliqué d'y répondre, mais voilà, vous pouvez toujours rapporter un membre. Il n'y a pas de souci, il suffit juste de lire avant de poster, c'est pas très très long, voilà. Ça vous met 30 secondes pour lire le truc, le sujet que j'ai posté, et dans suggestions idées, vous avez les référencements des suggestions idées. Voilà, on vient parler entre gens sur le disque, sur le forum, et ainsi dans la section blabla où on peut parler de tout et de rien. Ça, c'est vous qui voyez, et le forum va subir des mises à jour, voilà, qui vont être fort sympathiques pour la pré-alpha. Donc pour ceux qui veulent vraiment être dans les 20 places, vous serez sélectionné. Donc par pure magie, non je rigole. Donc ça va être suivant l'activité, etc. Moi j'aurai toujours un coup d'œil derrière ça. Donc pour ceux qui se demandent comment les gens sont sélectionnés, etc. Et même l'hasard fait pas totalement les choses, mais on voit les gens qui sont super motivés, ça nous motive aussi à fond là-dessus, il n'y a pas de problème. Et justement, c'est pour ça qu'il faut aller sur le forum, ou si vous avez un souci, vous venez sur le Discord avec nous, le petit grand Erwan viendra vous répondre, il n'y a pas de souci, que ce soit l'équipe de modération, l'équipe d'administration, mais il faut être un petit peu patient, parce que des fois, on peut pas répondre à tout le monde, c'est normal. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à écrire un commentaire, voilà, ça nous ferait toujours plaisir. Ne vous inquiétez pas là-dessus et merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était super sympa de votre part. Allez, au revoir.